saison 2 en compagnie de Monsieur EP, donc je préviens tout de suite, ça sera la seule vidéo de cette saison. Pourquoi? Bah, il faut tout simplement venir en live quand je le poste, et je poste des vidéos sur YouTube comme quoi je suis en live à ce moment-là. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement, c'est que YouTube, j'ai pas beaucoup de vues, et ça ne sert absolument à rien que je me casse la tête à faire des vidéos d'une demi-heure à chaque fois, si en fait je... Ah, Renick, c'est par là-bas en fait. Ok, ok, très bien. Si, voilà, donc... Moi, il n'y a que les lives, ça rapporte mieux, c'est nettement mieux, et en même temps, bah, je trouve ça que c'est nettement mieux avec l'inter machin, avec les gens qui sont sur le live. Alors, pourquoi je le fais tout simplement, bah, justement, c'est... comment? Ah, j'ai perdu le mot. C'est... l'interaxité, non, l'inter... Là, oui, le truc que vous parlez avec les viewers pour avoir les crafts, par quoi on commence, etc. C'est nettement plus convivial que de le faire complètement à tout seul. Donc, LTP a été lancé il y a environ une semaine. Ça a beaucoup bugué du fait qu'il y a des crafts en mode expert qui ne fonctionnent pas correctement. C'est vraiment ultra hard avec ses configs de merde. À noter également que en fait les configs sont complètement buggés au niveau de certains packs en fonction des modes qu'il y a présents. C'est complètement buggé, les ID changent. Il y a des mini rollbacks par moment. Bon, aussi le serveur, ça doit faire 2 heures qu'il n'est pas redémarré. Mais voilà. Donc là, on a un petit pattern qui fait ramener des cartes en hauteur et qui les ramène là-haut. Avec ça, et puis de l'autre côté il tombe, voilà. Donc au niveau de l'espace communautaire, en fait on a fait une petite ville, donc là c'est la ville du train, donc on descend pour aller dans une gare qui est aménagée déjà ici, vers un kart tranquillement. Et ces cartes là en fait amènent directement, bah, déjà vers un donjon, déjà la première chose. Le cerf, ça fait 15 heures qu'il est up. Donc on a un espace communautaire ici qui fait que tout le monde construit en fait un village, une ville avec des shops, avec tout, avec Miss Dunaway qui est ici. Qui construit justement ceci. On a du coup le shop, comme je disais, on a le shop qui permet d'acheter des matériaux, les revendre et autres. Et tout le monde est en train de construire en fait sa base à lui ou à deux. Hein. Ici nous avons Monsieur Ika et qui est en compagnie avec Monsieur Redix, qui fait IC2 à gogo, hein, ça se voit les hybrides. D'ailleurs qui se craft plus d'ailleurs, c'est complètement buggé ce truc là, c'est impressionnant. Donc bon, c'est très 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 chaud. Du coup, on a notre shop, donc c'est le charbon, ils sont en stock illimité, hein, naturellement, ici, donc on échange ils changent tranquillement. Ouais, c'est 18 h. Ici, hop, hop. Et ici, ben, c'est les joueurs qui vendent leur propre minerai. Donc pour l'instant, c'est un ou deux. Et puis par la suite, on viendra. Donc ici, c'est un monsieur Shorty. Ici, parce qu'il a besoin d'uranium. Et là, ben, c'est des grappuis. Il en a un stock beaucoup. Ah, ça va, 418 iron. Donc c'est sympa. Et puis chacun a une parcelle différente. Alors moi, évidemment, au bout de 3 jours, j'ai réussi à construire ma maison. Avec Ethan, on a construit cette baraque qui est énorme, qui est vraiment ultra grande. C'est vraiment très très grand comme baraque. Surtout que tout a été fait à la main et on peut toujours pas voler. Hein, parce qu'on n'a pas le craft des engineering. Donc voilà, avec un petit moulin eau qui nous permet en fait de générer de l'énergie grâce à de l'eau qui tombe. Et ça nous génère 200 RF par tick d'énergie de RF. J'adore la fog. Pourtant j'ai enlevé la fog avec Optifine, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, il y a ceci qui nous permet
de faire un petit teint tranquille. Il y a un monsieur Mortac qui a tiré la fibre, hein. Il a vachement tiré la fibre, le coco. Il a tiré complètement la fibre. Voici la maison, tranquillement, elle est super belle, elle est sur deux étages avec des lustres au plafond, une super belle maison avec un beau toit, une belle vue sur l'océan, donc ça c'est magnifique. Avec un petit endroit ici, nous avons ceci là, nous avons un petit bureau avec une vue imprenable sur une vitre. Donc voilà. Et c'est tranquille. Ça nous a pris énormément de temps. Plus avec un rollback qui a fait que on a dû refaire deux fois la baraque. Donc comme ça j'étais content. Bien sûr c'est des carpenters aussi. Donc là on est sur le toit tranquillement avec des vitres différentes. Et je trouve ça tellement classe par rapport à ce qu'on a. Également je suis en live moi à partir de 18h qui vous permettra de me suivre dans l'aventure de LTP. Je ne fais pas de vidéo LTP parce que j'ai dit en début des vidéos et je fais que du live. Sur cette saison je ne fais que du live. Donc voilà, et puis on descend dans notre petite caverne qui nous permettra d'accéder directement à la grosse salle des machines avec IC2 et en même temps DRF. Grâce à les wires de immersive, on peut transférer des EU en RF. 10 EU par le générateur, c'est égal à 40 RF pour RF. Voilà, tout simplement. Donc voilà, avec notre petite salle tranquillou, avec notre Applied. Alors attention, ça c'est des ME contrôleurs et ça c'est des blocs normaux. Voilà. Donc on est un petit peu juste en énergie. On va faire ce qu'il faut en live concernant notre production d'énergie. Également, moi, de mon côté, je me suis créé un monde void. Un monde void qui fait jour et nuit. Pour l'instant, il fait... C'est nuit. Hein, c'est en train de descendre, ça rollback un peu. C'est un void, mais c'est rollback, c'est cool. Et du coup, voilà. Hop, on revient ici, c'est bug de chunk, YOLO. Et puis voilà. Donc rendez-vous à 18h pour la suite aujourd'hui de LTP. Voilà. Bisous tout le monde.